Eh bien, bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de mars 2021. On sent le renouveau dans votre tirage, on sent la renaissance, on sent une certaine gaieté de vie, peut-être quelques doutes, mais il y a un changement de peau. Vous avez quand même, alors pour ceux qui me découvrent, bien évidemment, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Nous avons pour vous sur votre signe 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Nous avons 3, 2, donc signe de l'étape. On n'est pas au simple, à la simple naissance, on est dans les premiers pas, donc comme une renaissance. On a la 7 de coupe. On va voir un peu comment ça se traduit dans votre tirage. Et puis bien évidemment, on saura avec l'approfondissement ce qu'il y a lieu de conclure. Alors, quelle est l'énergie qui va circuler chez vous sur tout le mois de mars? C'est la carte du travail. Ce travail va nous parler de labeur, va nous parler de consistance, de rigueur, de difficulté aussi parfois à aller jusqu'au bout des choses. Alors, il est peut-être temps pour vous d'accepter ce qui se présente à vous et de le vivre, j'ose dire, pleinement. Il est certain, effectivement, que le travail peut être uniquement intérieur comme il peut être extérieur. Ici, vous devez le voir comme ça résonne en vous, comme vous sentez que ça peut être interpellé pour vous. Vous rentrez, quoi qu'il en soit, sur ce mois de mars avec cette magnifique énergie du battleur. Le battleur ici va nous parler de la magie de l'environnement. Ce que vous désirez, vous le trouvez non pas dans les livres, les ouvrages, les connaissances qui vous sont acquises de façon pragmatique, mais dans votre intuition et dans l'observation que vous avez fait de ce qui vous entoure. Ce que vous voulez, l'environnement le veut et inversement. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du battleur, on sait que l'on a absolument tout pour soi. On a assez d'argent, assez d'amour, assez d'action en soi, assez d'ancrage, assez de tout. On a les quatre éléments qui nous accompagnent et de ce fait, on sait que tout est possible. Donc clairement, on se sent sur ce début du mois de mars, inspiré. Et cette inspiration, elle va vous aider à mettre en œuvre ce travail que vous avez à réaliser, cet approfondissement de vos connaissances, de vous-même, qui doit se traduire, si vous voulez, par quelque chose qui va être aidé par le printemps. J'ose presque dire c'est le printemps avec son bourgeonnement, qui fait que vous aussi vous bourgeonnez, que vous pouvez remonter un peu le cours de votre vie, le fluide de votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement qui vous soit favorable? Eh bien, dans votre environnement, il se passe plein de choses. En ce sens que, avec la carte du battleur, où vous êtes un peu comme un magicien sur ce mois, vous laissez cette magie opérer en vous. Il n'y a pas... si vous voulez, votre vie est un peu déterminée. Elle est déterminée par rapport à ce que vous voulez en faire. Et puis, on voit que dans l'environnement, il y a les hasards de la vie qui vont se mêler à votre vie, à la façon dont vous l'appréhendez, au travail que vous faites au quotidien. Et vous avez envie de vous laisser porter par ce hasard et vous le faites parfaitement bien. De sorte que le hasard, vous le laissez modifier quelque peu votre chemin de vie parce que ça vous permet d'être dans cette magie de renaissance printanière. Donc, pour vous, tout ce qui relèverait de la nouveauté, de choses que vous ne connaissez pas, des éléments qui bousculent votre vie, vous sont favorables. Quels sont les événements qui pourraient être défavorables autour de vous? Ça serait, pour moi, ce qu'on appelle l'appel au secours. Le fait que l'on ait besoin de comprendre ce que l'on vive à travers l'autre, ou plutôt, je devrais dire, ce qui ne serait pas bon pour vous, c'est le regard de l'autre.
N'attendez pas de l'autre d'être compris ou comprise. N'attendez pas de l'autre qu'il soit celui qui vous explique pourquoi vous appréhendez la vie en ce moment sur ce printemps qui démarre, pourquoi vous l'appréhendez comme un magicien, comme quelque chose qui relève d'un tout, comme une beauté, comme des forces extérieures que vous ne contrôlez pas. N'attendez pas des autres qu'on vous apporte cette aide, et je dirais même n'allez pas aider les autres. J'ai le sentiment que c'est vraiment un mois où vous devez vous laisser porter par l'environnement et les événements de la vie pour améliorer votre propre foyer intérieur, améliorer votre moi profond, votre travail de fond, celui qui fait que vous avez une mission de vie et vous savez laquelle elle est, et cette mission de vie-là, vous devez la mener jusqu'au bout. Donc, on n'attend rien de l'extérieur, c'est ce qui vous est conseillé de toute façon sur ce mois. De quoi est fait votre présent ? Vous n'avez pas besoin de l'extérieur parce que votre présent nous parle de 3 de denier. La 3 de denier, c'est le cisèlement, c'est le détail, c'est la beauté de ce que l'on vit au quotidien et sur laquelle, par exemple, on apporte un petit bijou, un petit trésor. On enrubane, si vous préférez, le cadeau de sa vie présente. Je vais m'expliquer. Si vous faites aujourd'hui un gâteau, eh bien, vous allez apporter la petite cerise sur votre gâteau. Si vous faites un joli habit que vous êtes en train de coudre, je vais dire une bêtise bien sûr, mais vous êtes en train de coudre, eh bien vous allez mettre la jolie dentelle qui sera sur cette couture. Si vous êtes en train de faire votre jardin, eh bien vous allez savoir harmoniser les fleurs qui doivent être dans la compotée de ce que vous êtes en train de créer. Ici c'est du cisèlement, c'est de la joaillerie, c'est de la profondeur d'âme dans le détail. Donc effectivement, vous n'avez pas besoin des événements extérieurs qui pourraient vous être défavorables. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà en vous, puisque tout est déjà là. On se laisse plutôt bercer par les événements de la vie. On se laisse plutôt porter par ce qui se passe autour de nous, parce que notre vie à nous est suffisamment complète pour pouvoir justement apporter de très jolies touches, de beauté sur ce que l'on vit déjà dans le présent. Alors, pourquoi il y a un environnement qui est défavorable avec cette 2 d'épée ? Parce que dans votre inconscient, on sent que vous doutez. Dans votre inconscient, vous avez la lune. Ça veut dire que vous ne savez pas si ce que vous vivez est réel ou irréel. Vous ne savez pas si vous rêvez, si vous allez vous réveiller. Vous ne savez pas, vous avez peut-être même l'impression d'avoir perdu de vos couleurs parce que vous ne comprenez plus rien à rien. Mais ça, vous n'en avez pas conscience. L'inconscient, c'est une façon d'agir qui dépasse notre capacité d'appréhension. Ça nous vient de notre épigénétique, ça nous vient de notre éducation d'enfance et des événements majeurs de notre vie qui font que l'on se comporte de telle ou de telle façon. Dans votre inconscient, vous avez l'impression que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est l'environnement qui fait que ça arrive. Peut-être que vous pourriez vous sentir victime des événements de votre vie sans prendre conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui le créez à travers ce battleur, à travers cette 3 de denier et en laissant les autres écrire des chapitres de votre vie. Dans votre inconscient, ce n'est pas tout à fait acté, ce n'est pas tout à fait compris. Et c'est pour ça qu'on a ce dragon ici qui a les écailles en couleur argent. C'est une très jolie couleur, mais tout est fade en fait dans l'inconscient. On ne sait pas si on doit danser sur des racines ou à l'inverse s'envoler avec la lune. Voilà, donc il y a une petite perte de son moi intérieur, de savoir effectivement où on va. Et c'est pour ça que sur tout le mois de mars, vous avez cette carte du travail qui va être, si vous voulez, une jauge, un rééquilibrage des émotions et de ce que l'on ressent. Alors, quand on a cet inconscient-là, on a forcément un passé qui remonte à la surface pour nous aider à mettre en lumière ce que l'on ne voit pas ou ce que l'on ne perçoit pas. Ça peut vous, c'est soit une histoire de votre passé, soit un rêve également qui vous remonte à la surface. On a la carte du soleil. Donc, ce que vous voulez de votre passé ou ce qui remonte de ce passé, c'est le temps de la passion, de la joie, de la régénération, de la chaleur humaine. On voit ce soleil qui à la fois nourrit le dragon avec un dragon qui nourrit le soleil.
Or, l'un et l'autre n'ont pas besoin de l'un et l'autre. C'est juste qu'ils acceptent de prendre la force de l'un et de l'autre pour dire de faire de leur puissance une puissance commune. Et vous, vous avez ça de ce passé qui remonte. Donc c'est de la passion, c'est de la joie, c'est de la gaieté. Il n'y a pas de limite là, c'est de l'amour à grand va. C'est donc forcément déstabilisant dans votre inconscient, surtout si vous auriez pu être malmené. Alors, que me dit votre futur proche ? Eh bien, le futur proche est très agréable parce qu'on me parle de cette carte de la mort. Vous avez une véritable transformation. Ce n'est pas la mort physique, hein. Je ne parle pas de ça du tout. Vous avez une transformation physique ou psychique majeure qui va tenir compte de votre présent tel qu'il se matérialise aujourd'hui avec une espèce de transcendance, d'élévation de sa spiritualité et d'observation de son environnement que l'on accepte. Et quand vous faites un travail sur vous-même, eh bien clairement, vous, le papillon sort de sa chrysalide en quelque sorte. Le petit dragon sort de sa coquille. Ou alors, vous changez littéralement de peau. Et ça, ça vous est favorable littéralement. Il faut dire aussi qu'on est dans votre moi. Et ça ne peut être donc qu'un beau tirage pour les poissons. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, clairement, vous avez conscience. Vous avez cette 7 de coupe. Alors, ça peut être un événement du passé qui remonte, comme ça peut être pour vous le fait de faire un peu du tri dans votre tête et dans votre corps. Et avec cette 7 de coupe-là, on va me parler de choix que l'on fait de façon objective. On range un petit peu sa vie et son histoire. On met les émotions dans une coupe, on met son travail dans une autre, on met sa famille encore dans une autre, on met les constructions et les projets que l'on a pu réaliser, les créativités, encore dans une autre coupe. Et peut-être que quand on fait ce travail-là, peut-être que l'on jette des choses qui n'ont plus lieu d'être et peut-être que l'on en garde d'autres que l'on avait oubliées. Donc ici, la difficulté pour vous, ça va être justement d'opérer ces choix et de savoir ce qu'il y a lieu de garder et ce qu'il y a lieu de jeter. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui soit si difficile que ça. Parce que votre présent avec cette 3 de denier, elle me dit au contraire que vous clarifiez les différentes situations, vous y voyez plus clair. Si on voit ce personnage dessiner 3 pentacles sur une porte, c'est parce que c'est la porte de la sécurité. C'est celle qui offre justement tous les plaisirs. Je fais entrer un petit chat, voilà. Les conséquences de vos actions, j'ai des bêtises. Quelle est l'influence de la famille et les amis sur vous-même sur ce mois de mars, reine d'épée. Là, on va parler d'une personne qui pourrait être d'un signe d'air, le balance, le gémeau ou le Verseau, qui donne cette impulsion de liberté intellectuelle, d'une forme d'autorité et de vérité tranchante. La reine d'épée, c'est la personne qui voit, qui comprend au-delà de tout. Elle perçoit les événements de la vie, elle a suffisamment appris, elle est suffisamment ancrée pour prendre des décisions tranchantes, décisives, et elle a cette capacité de parler peut-être avec l'au-delà ou d'avoir des guides spirituels qui lui parle la nuit ou quand elle médite. La reine d'épée, elle va aussi nous parler d'une personne qui est d'une influence certaine, qui pourrait être parfois médisante, et aussi une personne qui pourrait être très influente. Donc ça, ça semble être autour de vous. Alors, soit vous êtes porté par cette personne, soit au contraire, elle pourrait vous déstabiliser quelque peu. On verra tout à l'heure avec le tarot des 78 portes et l'approfondissement que l'on y fera sur Vimeo. Mais je ne la sens pas négative pour vous parce que votre fin de mois est plutôt très très confortable. Je vous explique. Ici, on a la 2 de coupe et la 2 de denier. La 2 de coupe, c'est la carte des conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. La 2 de denier, c'est les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. La 2 de coupe, pour vous-même, c'est l'émotion douce, partagée, équilibrée d'un point de vue émotionnel ou amoureux. Une rencontre
parfaite, une alchimie parfaite avec ce qui nous entoure, comme un rééquilibrage de ce que l'on vit, à moins que ce soit une rencontre que vous ayez faite ou que vous allez faire sur ce mois et qui va vous donner cette forme d'abondance et de croire que tout est possible de réaliser, comme faire pousser des roses dans un rocher. Voyez, le battleur, c'est le magicien. Et pour vous-même, vous faites de la magie. C'est de la magie émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre parfait. C'est comme une renaissance, si vous voulez. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette 2 de denier. Ici, on va nous parler d'audace. Alors, la 2 de coupe, c'est aussi une audace, mais elle est émotionnelle. Et là, on va être pleinement dans votre signe. Et la 2 de denier sur l'environnement, on va me parler d'ancrage. C'est le fait qu'il est possible qu'on saute dans l'inconnu avec le peu de personnes en qui on a confiance. C'est aussi un investissement sur l'avenir en ce sens où on part de 3 fois rien, on a très peu de richesses ou on a presque plus de richesses, mais on a suffisamment confiance pour suivre sa destinée de vie, de traverser ce pont pieds nus, presque sans rien, mais en se disant que de toute façon, on n'a rien à perdre. Et c'est effectivement une réussite si l'on est bien accompagné. Donc ça, c'est par rapport à l'environnement. Donc ça peut être un signe de terre aussi, ce 2 de denier, qui serait le Vierge, le Capricorne ou le Taureau. À vous de voir comment ça résonne en vous. Voilà, mes amis poissons. Ce tirage étant fait, je vais maintenant le recouvrir avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien, et même pour ceux qui me connaissent, bien sûr, vous cliquez sur le lien qui figure dans la description de votre vidéo, vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour l'approfondissement de cette vidéo ou choisir l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. L'abonnement évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment et de ne rester que sur une location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on en a sur ce battleur ? On a la carte de la mort qui ressort avec la carte de l'ermite. C'est vraiment un changement de peau. Voilà, celle-là l'a sauté. On a la 9 de coupe. Très, très, très bien. Environnement favorable. La roue de la fortune. Qu'est-ce que l'on a sur cette roue de la fortune ? Elle a sauté. On a la 6 de denier. Ben, dites donc, c'est joli ça. Qu'est-ce que l'on a en événement défavorable dans l'environnement avec cette 2 d'épée ? Ah oui, ça veut partir. 8 de bâton, d'accord. Sur votre présent. Ici, oh, on a la 7 de coupe. Vous voyez, la 7 de coupe, elle est aussi dans votre état d'esprit. Hein. Donc, votre présent qui est un peu de l'orfèvrerie et du peaufinage ou de la joaillerie de ce que l'on vit, elle va avec votre état d'esprit de rangement, vous voyez. Sur votre inconscient. On a ici la valet de bâton. Ça, c'est pas inintéressant. Sur le passé qui ressort, hein, qu'est-ce que l'on a ? On a ici celle-là, la sautée. On a le fou. Eh ben oui. Je ne suis pas surprise que vous ayez ce fou. Ça va avec un peu la renaissance. Hein. Le futur proche avec la mort, nous avons le roi de coupe. C'est extraordinaire, vraiment. Sur votre état d'esprit, qu'est-ce que l'on a ? Ça s'accélère au niveau du saut des cartes. La carte du monde, la 21, très très jolie carte. Influence de la famille et des amis, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est exactement la même que celle-ci. Vous voyez ?
quand même, sur deux jeux de 78 cartes, nous avons deux fois les mêmes cartes qui sortent. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, le battleur, il est ici. Ça ne fera donc que trois cartes communes aux deux tarots. Comme quoi, hein. Et la dernière carte, influence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Qu'avons-nous? La 9 de denier. Très très jolie carte également. Oui, c'est un très beau tirage. Je vous tire également une carte supplémentaire. C'est celle-ci qui est tombée. La santé. Voyez comme quoi je pense quand même que cette renaissance, cette transformation de votre être, c'est pour vous-même que vous le faites. Vous ne le faites pour personne d'autre que vous-même. Alors, toujours pour mes amis poissons, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une façon, à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Étant entendu que votre question ne doit pas attendre une réponse qui soit oui ou non. La réponse qui sera apportée, c'est par exemple sur une question qui serait « Quel chemin de vie j'emprunte si je vais vers tel ou tel endroit ?» ou « Qu'est-ce qui m'attend à la suite de telle ou telle expérience ?» Et là, je pourrais y répondre. C'est parti. Un message pour mes amis poissons. Oui. Un message pour les poissons. Oui. On a ici la 8 de pique. On a ici la dame de carreau. On a maintenant la 9 de pique. Nous avons la consultante. Donc ici, ça va être l'esprit féminin du signe du poisson. Avec la roi de trèfle, et je dois remettre donc une carte parce que on a l'esprit féminin qui est ressorti, mais ça ne compte pas comme étant une carte d'interprétation, mais plutôt comme une énergie. On a ici la dame de trèfle. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée est de s'inspirer d'un animal totem qui était vénéré en revenant à la source de l'instinct ou de l'intuition. D'un animal à qui on a décrit des capacités, des forces, des pouvoirs ou des faiblesses. Allez, c'est parti. Et ça nous aide, si vous voulez, en s'inspirant de cet animal totem-là, de revenir un peu à la genèse de ce que nous sommes et de mieux traverser le mois. Voilà, c'est parti. On vous invite à être cette vache. Eh oui, je ne suis pas surprise. Voilà, mes amis poissons, si ce tirage vous convient et que vous me suivez sur Vimeo, je vous dis à tout de suite pour les autres. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, bien évidemment, commentez, likez, partagez. Votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas, au moment où vous faites cette lecture. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, un joyeux anniversaire pour ceux qui le passe là sur ce début de mois. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. À bientôt, bisous bisous.